Bonjour à vous tous et bienvenue à cette vidéo de The Unfinished One. Mon nom est Rekaz et j'espère que de votre côté que vous allez bien. Donc ce jeu est des mêmes créateurs que What Remains of Edith Finch. Je vais mettre le lien dans la description juste en dessous si vous voulez voir ce jeu-là. C'est magnifique, allez voir ça. C'est un jeu, The Unfinished One, on va revenir à ce jeu-là. C'est un jeu qui est en noir et blanc, que ça a l'air d'être un puzzle par rapport à un artiste et tout ça. Il y a des rumeurs que ça serait probablement l'artiste qui était porté disparu dans What Remains. Donc bien hâte de le voir, je vous souhaite un bon On y visionnement. va. Chargement est cute. La mère de Monroe avait toujours eu du mal à mener à bien les projets qu'elle entamait. Lorsqu'elle mourut, Monroe se sentit aussi incomplet que les 300 toiles inachevées qu'elle avait laissées derrière elle. L'orphelinat ne l'autorisa à conserver qu'un seul tableau. Il choisit le cygne inachevé, la toile préférée de sa mère. Intéressant. Mais lorsqu'il se réveilla cette nuit-là, le cygne avait disparu. Non! Il prit le pinceau d'argent de sa mère et suivit des empreintes menant à une porte qu'il n'avait jamais remarquée. Oh, c'est cool comme début. Vraiment cool comme début, comme ça. Donc on va jouer Monroe. Oh! Je me demandais ce qui se passait. Wow! Ok, ça c'est ingénieux. Je m'attendais. Le coin de la pièce est dans ce coin-là. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est une porte, ça. Oh mon Dieu. On va essayer de peinturer et voir dans quelle pièce qu'on est. Wow! J'aime ça. C'est comme un, littéralement comme un canevas. Oh, il y avait quelque chose là. Oh, il y avait quelque chose là, oui. Il y avait effectivement quelque chose là avant que je l'enterre et qu'on ne sache plus ce que c'est. Oups. Oh. Oh, wait, il n'y a plus de toit ici. Fait qu'on est rendu dehors. Intéressant. J'ai pas trouvé de trace de pas, en tout cas. Un banc? Oups. C'est un armoire ou quelque chose du genre. C'est bien cool, pour vrai. J'aime ça. C'est des arbres. Ça, c'est des arbres. Ok, ça, c'est vraiment nice. Une roche. Ça, c'est une clôture. On peut pas aller en bas. Oh, les traces de pas sont là. Faut pas que je les camoufle. Ben, je dis ça, puis aussitôt que je dis ça, je commence à lancer partout. Oh non! La grenouille! Wait! What? Qu'est-ce qui vient de se passer avec un tronc d'arbre? J'ai l'impression... Faut que je traverse quand même, au l'autre bord. On peut pas y aller de même, ça fait pas de sens. Ok, jusqu'à date, j'aime vraiment le principe, c'est vraiment nice comme façon de faire.
Un autre banc. Prends un petit moment pour admirer la vue. Ça, c'est de l'eau. Le seul moyen que je peux passer là, c'est le même. Ça, c'est de l'eau. Ok, on peut pas cacher le jaune, c'est une bonne affaire. Ça, c'est un arbre. Oh, manqué de visu là-dessus. Ok. C'est tout des. Great! Une canoë. Je trouve ça vraiment nice comme principe pour vrai. Je sais, je me répète là, mais. Wait a minute. Ok, pour ce monde-là, il y a des marches. Ça, c'est quoi? Oh, ok, cool. Ah, nice! On a des marches de chaque côté. Une couronne? Ah! Oh, wow! Est-ce que je viens d'arroser le roi, moi, là? Il manquait un peu de noir. Il y avait des boîtes là. Tu sais, avec les splashes dans le noir, d'avoir un peu d'effet de profondeur puis tout ça aussi en même temps. On va voir ce qui se passe un peu à l'entour de nous autres. Des pieds de canard là-bas. Une box. Ça, c'est clairement une porte, quelque chose du genre. Ok, ici, il y a quelque chose en montant. Qu'est-ce que c'est, sa moto? Ok, ça monte pas mal haut. On a des fenêtres là. On a une grille là. Une autre grille là. On a des traces de. On a des pattes de canard l'autre bord. Je peux pas me rendre. Non. Réessayez, guys. Ok, ça monte là. Une charrue avec je sais pas quoi dedans. En bas. Oh, wait! Hein? Y'en a que ça reflète? Wow! Qu'est-ce que j'ai là qui a reflété la balle? Qu'est-ce que j'ai entendu encore? Ok, mais c'est sublime, pas vrai. Lave-le notre photo pour l'instant. Je sais pas si on va pouvoir avoir d'autres couleurs que blanc et noir, mais je pense que le jeu est vraiment juste basé sur ces couleurs-là, à part pour les objectifs qu'il faut qu'on suive, là. Est-ce que vous pensez que je peux colorier? C'était bien essayé, non? Ouais, les yeux, ça rebondit. Puis j'aime l'effet que l'effet que tu perds le 3D si t'en mets trop. Puis comme là, j'ai aucune idée, c'est une box, ok. Vous êtes beaucoup trop loin.
On essaie de toi. Là, je l'attends. Oui, oui, oui. Oh ouais, c'est un poulet! Ok, c'est qui est là? On peut descendre là. On peut remonter là. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a sur les toits. Oh, wait! Je passe au travail. Une statue de quelque chose que je ne comprends pas trop. Il y a un anneau en or. Ah, c'est une main! Nice! Ça, c'est un vase, c'est une autre statue là. Non, là. C'est un cochon. Oh! Mais ben. Il y a des marches là. Et ça, c'est le mur que j'aurais pu descendre. Ah non, mais ça fait vraiment nice. Vous allez me trouver fatigué, hein? Il y avait un vase là avec. Hey, il y a un arbre là. Arbre? Non, c'est une sculpture! Une fourchette avec un bacon! Ça a l'air de ça, hein? Fourchette bacon! Est-ce que je peux interagir avec les trucs jaunes? Non. Oh, damn! Oh! Du quoi, autre chose aussi? Ah, une autre tour. Là, c'est quoi, là? C'est des marches! Des boxes. Vase. Un autre banc. Ça me fascine pour voir comment ils ont l'inspiration, cette équipe-là, man, pour faire des affaires de même, là. Un vase. Ah, il y avait quelque chose à mes pieds. Il y avait quelque chose là. Une autre fontaine. Un pilier. Wow! Attends, ah, il est pété là. Qu'est-ce qui tient ça? Qu'est-ce que c'est, un ballon? Une hippopotame! On peut tirer sur le ballon. Les ballons permettent d'acheter des objets dans le menu jouer. What? Ben non! Ça, c'est quand? Il y a un toit, là. Ou pas. Il y a une lettre là. Ah, il faut peut-être jouer en haut. Oh! Nos traces de canard qu'on retrouve enfin. Ok. Une autre grille. Intéressant. Était jeune, arrogant et incroyablement talentueux. Convaincu qu'aucune couleur n'était digne de son jardin, il le laissa en blanc. Alors qu'il se demandait comment créer des couleurs inédites, de nouveaux habitants gagnèrent le royaume
et il dut faire face à de plus gros problèmes. Nice! Oh, des bribes d'histoire de même. Ouais, là, je me suis un peu laissé aller. Je m'excuse pour ton jardin, le roi! Faut que je comprenne dans quel genre de situation que je me retrouve. Quelque chose là-bas. Oh, ben... oh boy, un mur. Ben, je peux pas passer là. Ok, c'est intéressant à savoir. C'est une arche. Une lumière est là. Une lumière là aussi. Oh, ça a reflété. Bon, je pense que j'ai pas le choix, hein? Pense pas que je saute assez loin. Je tombe dans le noir. Hey! C'est le canon que je poursuis. La tour de guet. Let's go! Ok, je suis coincé là. Là, je peux sauter. Peinturer ça, moi. Mais pas trop en même temps parce que on veut avoir des informations. Ça, c'est une chaise. Le grillage. Ok. On vient de perdre le lampadaire. Il a monté en haut. Ok, ça c'est une porte verrouillée. On a une porte juste à côté qui est bien correcte par contre, juste là. On peut le peinturer parce qu'on sait que c'est un truc. Ok, what? Oh damn! Ok, ça c'est brillant comme truc. On revient sur nos pas, regardez. C'est la même pièce. Vous me demandez comment ça se fait qu'il y avait des affaires que j'avais déjà peinturées. C'est pas le cas. Il devrait être tombé. Ça c'est freaking nice. T'as pas le deuxième, il est où? Il reste là. J'ai hésité. J'ai juste littéralement hésité. Ouais, dans le fond, je me peinture moi-même. Si je fais ça, c'est pas bon signe. Je vais réparer. Oh, il y avait une porte là. Elle est barrée. On va se donner des hints. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, ma souris est devenue super sensible. Et ça, c'est cool qu'il nous le donne. Fait que ça, c'est le plancher. On a une table. Plancher. Brr, 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 brr. Là, il y a un pot de peinture, là. Ok.
J'aurais pas été en train de faire ça pour être prêt. Yes! Ces nouveaux sujets en avaient assez du blanc. Ils en avaient assez de trébucher ou de ne plus retrouver leur maison. Ils décidèrent alors de tout peindre, souillant le dessin immaculé du roi. Le roi bannit tous les pinceaux qui n'étaient pas magiques et jura de passer tout un mois à peindre des ombres dans son royaume. Ok. Hey! On a un mur gris! What the? What the? Pourquoi il y a un carré qui veut pas être... Oh! On m'a tout rendu noir. Fait que là, il a commencé à peinturer des ombres. Intéressant. C'était un vase. On va juste le réaugmenter une petite affaire parce que sérieux, c'était dégueulasse. Oh! On commence à avoir des reliefs! Oh! Ok, je peux pas tirer là-dessus. Oh damn. Je vois qu'il y a un ballon là. Yeah! Let's go! Ça joue est sublime pour vrai, guys. Le château! Ok, on est parti. Ah, c'est parce que j'ai l'impression que quand on peigne le blanc, il y a de l'accélération. C'est ça l'affaire. Pas sûr que je fais confiance à ce monstre-là, moi. Ah ben. Ok. Je sais pas nager. C'est une bonne affaire qu'on le sache. Hein, toi. Camoufler les lumières. Oh boy. Qu'est-ce que c'est des marches? Oui, c'est des marches. Bon, ça va. Là aussi, c'est des marches. Il n'y a rien d'intéressant dans cette cour-là. Pour les marches qu'il y a là. On va voir ça. Hey, hein? Il était caché, celle-là? Pauvre. Oh! Peinture de lui qui peinture de lui qui peinture de lui qui peinture de purée! Oh, damn! Ah, j'imagine que ça, c'est important. Bon, ben, le labyrinthe, on l'a oublié, hein. Un pinceau? Pas ça, je pourrais le prendre. Non. Qu'est-ce que j'entends, là? Ok, le plafond, il est vraiment là.
L'hippopotame avec la couronne. Ok. Des beaux dessins, là, ouais. Est-ce que je peux monter là? Pas l'avoir, ce ballon-là. Ah, ben oui! C'est comme, ben voyons, ça marche pas. C'était brillamment caché. Oh non! Hey, c'est le signe qui est inachevé! Il démarche. On utilise la manière forte. No way, no way, no way, no way, no way, j'aurais pas dû faire ça. Ah si, j'aurais pas dû faire ça. Là, faut que je me retrouve dans un labyrinthe. Au moins, je peux marquer mon chemin. Moi, j'ai fait une gaffe en me pitchant en bas. J'ai fait une méchante gaffe en me pitchant en bas. Ça se peut que j'ai manqué un ballon. Va être n'importe où. Je cherche à quoi qui ressemble le labyrinthe, pour vrai. J'ai pas le choix, faut que je cherche vers quoi je m'engage. Parfait. Parce que je pensais que ça c'était un mur. Là aussi, fait que ça c'est un cul-de-sac. Good! Je suis sûr que j'ai manqué le ballon. Juste à cause que j'ai été trop vite. D'accord, ça va par là. Une partie de l'histoire qui est là. Le labyrinthe était magnifique, comme il le voulait. En revanche, il n'avait pas pensé au côté pratique. Des familles entières s'y perdaient. Je vois, hein. Il mettait des mois à arriver, et on craignait qu'un labyrinthe de cette taille n'attire les dragons. Le roi finit par ne plus pouvoir ignorer les récriminations de ses sujets. Un ballon blanc, guys! Je trouve ça cool qu'on puisse suivre l'histoire, même si on n'est pas à côté de du truc, fait que ça nous permet d'avancer quand même. Garder l'image un petit 2 secondes. Continuer d'avancer pareil. C'est là qu'on sort. Oui, monsieur, c'est là qu'on sort. Ouais, le monde qui vont passer après nous autres vont avoir la forme du labyrinthe. Pour moi, ils rentreront pas dans les murs pour rien. Il y a un méchant gros ballon là-bas. La montgolfière qu'on voit depuis le début, là.
Ok. Un autre cul-de-sac. D'accord. Ouais. La béret était plus noire. Et puis blanc. Et là, il était, hein. C'est sûr qu'on avait fait ce bord-là aussi. Non, et voilà. Ça va quand même vite à date. Tiens, la porte. Pensez-vous que je suis capable de tirer sur la montgolfière qui est en haut? Est-ce que ça compterait comme un ballon? On oublie ça. Ok, le signe, ça c'est drôle. Oh! Ok, ça, les amis. C'est du. Wow, 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 wow. Et ça, par exemple, là, le fait que quand tu arrives sur de la couleur, la souris fasse comme moi et non, c'est moi qui décide ce qui se passe. C'est un peu raide. Le roi était si excédé par les exigences des habitants de son royaume qu'il décida de tout recommencer. Un matin, il peignit un bateau. Et partit en quête du lieu idéal. Ça, c'est nice. Il se promit de revenir un jour terminer son travail, mais bien sûr, il ne le fit jamais. Pas sauter en bas, guys. Oh, mais là, je peux. Man. Aha! Le balloon. Pas assez proche. Pending! C'est quelque chose en bas. En forme en bord. F pour utiliser le télescope. J'ai peinturé ça. Je comprends pas qu'on soit rendu là, ben non. Et puis pour quitter. Pour quitter le télescope, je fais quoi? Je peux pas voir à l'entour, ça c'est un peu triste. Mon symbole est rendu noir. Monroe n'avait pas été aussi serein depuis longtemps. Il se sentit encore mieux lorsque le vent lui permit d'atteindre le cygne. D'ailleurs, il se sentait tellement bien qu'il en oublia même son vertige. Nice. Le cygne s'échappa et le précipita dans le vide. Non. Il s'en souvint immédiatement. Non. Monroe aurait pu trouver la mort si l'histoire s'était arrêtée là. Mais elle continue, et les ennuis de Monroe ne faisaient que commencer. Oh, j'en ai manqué. Intéressant. Il y a 4 chapitres de même, ça c'est cool. Avec des bonus. Dans les bonus, c'est rien? Donc on y va. On ira chercher les ballons, donc ouais. Ça n'a pas d'importance. C'est juste pour des petits trucs qu'on va aller voir à la fin de toute façon que ça donne des petits ballons, les petits ballons. Monroe s'extirpa de l'eau et découvrit une ville gigantesque. Mais il ne voyait ni le cygne, ni âme qui vive. Enfin, à l'exception d'une énorme paire de pieds.
Elle appartenait à un géant qui aurait pourtant pu l'aider à attraper le cygne, mais malheureusement, c'était le géant le plus paresseux au monde. Et il était en congé. Après avoir festoyé gaiement, il avait sombré dans un sommeil profond et n'entendait pas les cris de Monroe. C'est drôle. Alors qu'il cherchait un moyen de réveiller le géant, la cloche. Monroe aperçut un navire qui flottait non loin. C'est le navire du roi! Oh, il y a plus de couleurs! Intéressant! Oui, je suis rendu le color en bleu. Intéressant. C'est une peinture à l'eau qui s'enlève tout seul. Wow! Cool! Ok, il faut trouver les ballons. On va checker ça. Ah, je pensais qu'on pouvait faire passer une balle par là. Une balle de peinture, I'd like it, non? Et si vous voyez des ballons que je ne vois pas, n'hésitez pas à me le dire. Ça va me faire plaisir de virer de bord pour aller les chercher. Pas quelque chose de rempli. C'est géant, il est là. Hey, le signe! Il y a une ballonne là. Je pourrais jamais l'atteindre ici. Hey, ils peuvent les cacher tellement n'importe où, les ballons, pour être prêts. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Boing boing. Boing. C'est quoi, c'est son coude? Ah, c'est l'autre bord. Ok, c'est vraiment nice. Parfois, le géant se demandait où les habitants de la ville étaient partis. Il craignait surtout qu'ils ne reviennent et lui fassent nettoyer leurs gouttières ou éteindre des incendies. Mais on ne les revit jamais. Voilà pourquoi le géant, qui était le plus paresseux au monde, était aussi le plus heureux. Une sommeil de fête dans le chapitre, les amis. Ouf! Moi, le gossé, mon géant, toi. Je peux jamais passer quelque chose là-dedans, moi. Il y a une échelle là, par contre. Ou bien. Non, ça passe pas. On a vu qu'il y avait une ballonne de l'autre côté. On peut passer là. Oh, wait! Je ne peux pas tirer là-dessus tant que je suis pas en hauteur, ou? Non, ça compte pas. Moi, si je suis de l'autre bord, il faut que je le dise. Hein. Non. Jamais gardé la toucher de là. Jamais capable. Il y a une ballonne que j'ai laissée là, mais j'ai l'impression qu'on va devoir y retourner. Quand tu veux que je monte là?
Okay, on va commencer par suivre par le chemin qui est là. Les tuyaux, on est dans un genre de, je sais pas quoi, dans un tunnel ou quelque chose du genre là. Avant de découvrir la peinture, le roi fabriquait des pots. Il aimait la simplicité d'un pot bien fait. Ainsi, lorsque ses sujets se plaignirent que sa ville était trop austère et qu'il n'avait nulle part où se soulager, le roi les ignora. Mais lorsqu'ils commencèrent à se soulager dans ses pots, le roi construisit des égouts en toute. Ok, donc là on a quelque chose là. On arrive vers là. Donc on va arriver où est l'autre ballon. Great! Le géant. C'est vraiment pas du bon bord, hein, tantôt. Bon, on a réussi à libérer l'eau. Ouais, faut aller chercher l'autre balloon. Qui est juste là. Oh wow, manqué ce tir là, moi. Puis il est tombé dans l'eau. Ça, c'est une mort assurée dans le jeu à date. À part dans les cinématiques, là, j'ai pas vu qu'il ait pu survivre à de l'eau ailleurs. Ok, les pas sont là. Yo, oh, oh. Ben là, là en haut. Oh, 6 balles. 1, 2. Regarde la teinte, 7. Allons. C'est beaucoup trop haut. Oublie ça. Puis je monte là-dessus même. Nope. Non, je lance même pas au-dessus. Pour l'instant, je peux pas l'atteindre. Que je... Oh! Hello! Ah, hey! Deuxième partie déjà? J'ai juste 3 ballons. Je me rappelle plus, anyway. Je sais pas si c'était la première ou la deuxième partie qu'il y en avait 8, mais il y a l'air d'avoir pas mal de ballons à l'entour. Pas si je me casse beaucoup trop la tête pour pas grand chose. Je sais même pas si je suis proche de l'atteindre. Mais non, on oublie ça, je suis encore très très loin. Peux-tu monter là-dessus? Ouais, là j'ai pas l'ombre, par exemple. Ouais, ok, on oublie ça. Ok, ça c'est brillant. Mais la ballonne est juste là en arrière. Oubliez ça, c'est sûr que je peux pas la poigner, c'est sûr, avec la lampadaire qui est là. Wow, 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 monte, 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 monte.
Wow, que j'ai passé juste à côté. Wow, je passe au-dessus. Y en a-tu de la ballonne? Hey, toi. Il y en avait une verte là en haut complètement. J'imagine faut que je me lance sur l'échelle jaune. Là en haut à quelque part. Ouh! Hey, toilette. Il y en a une verte juste là en haut, on l'a vu. Il y a des échafaudages partout. Moi, ça a l'air qu'à utiliser les manières conventionnelles, c'est pas mon fort. Hey, le signe! On a oublié ça. Waouh, il est bien caché la jambe qui est en haut. Je l'ai pas pogné. Dis-moi, c'est une joke là. Merci, elle est décrochée enfin. Ah non, je peux monter une étage plus haut. J'aurais pas eu besoin de gosser de même. Ben, je pourrais sauter là pour aller rejoindre ça. Il y a la ballonne verte qui est là qu'il faut que je pogne, c'est sûr. Une minute par là, j'ai l'impression que c'est la fin de ce chapitre-là. Oh well. Pas ce chapitre-là, mais ce bout-là. Wouh! C'est vraiment pas un beau saut que j'ai fait là. Je sais pas où est-ce que ça s'en va, mais je trouvais ça drôle le bruit que ça faisait. Eh, what? Oui! Ok, parce qu'ils sont revenus sur eux autres même. C'est quand même drôle. J'ai déjà à 3 ballons. Un autre? Un autre? Un autre? Ok, j'ai vu là-bas. Une grosse de toast? Ça a l'air d'être une grosse toast. Là-bas, là. Ok. Je peux monter là. Ça m'intrigue. Fait que là, il y a deux ballons là. Je serais rendu à 9. Il m'en manquerait 2 à quelque part, right? Si c'est la vieille de ballon. Wow! Pas du bon bord. Bâtard. Faut que je débarque de là-dessus. Ouh.
Ouf, j'ai failli tomber. J'ai même pas remarqué qu'on pouvait descendre là, puis je sais pas pourquoi, ou juste qu'on peut descendre là. Oh well. À un moment donné, il m'a lancé random, m'a pogné une ballonne. Oh oh! Non. C'est comme non, je me suis pas coincé là. Bon. Il y a plein d'autres ballons en avant. Ça passera pas. Ça aurait été malade. Ben, elle a passé, puis elle était jusque dans l'eau. Pas comment j'ai fait pour la faire passer. Voilà. Pas lancé plus haut que ça. Bon, parfait. Ok, mais j'en ai pas vu d'autres. On va aller dans la partie 3. Ça sonne comme une fin de partie 2, ça. Je me jetterai pas en bas, pas comme la dernière fois. Je vais avoir une fois de même, pas deux. Comme je dis ça, j'arrive en haut puis je me jette en bas. Ça a été parfait. Ah, ça aurait venu juste là, c'est pas si tempé. Ah ouais, c'est ça, c'est une partie 3, clairement. Ok, wow. Ok, ça fait rien. Je peux pas toucher à ça. Une belle petite porte là. Il y a un trio de ballons. C'est des ballons rapides, ça? Pourquoi j'ai fait ça?
Plus la population augmentait, plus les ordures s'amoncelaient. Dans un accès de furie, le roi peignit sur les rues un canal qui évacua les déchets, ainsi que les enfants un peu trop lents. Mais l'eau permit aussi à la vigne de pulluler avant de regarder le poignet. Je vais regarder le poignet. On peut pas le stopper aussi. Fait que, faut juste l'enlever parce que j'ai tellement pas porté attention. Plus la population augmentait, plus les ordures s'amoncelaient. Dans un accès de furie, le roi peignit sur les rues un canal qui évacuait les déchets, ainsi que les enfants un peu trop lents. Mais l'eau permit aussi à la vigne de pulluler. De pulluler. Avant de bientôt, regarde. Oh. C'est sûr qu'il faut monter en haut. La question, c'est comment? Une araignée, ça, bâton! J'ai le goût à maudit d'y aller, moi! Bon, pourquoi j'ai peur des araignées, ni rien de ça, mais... C'est agréable. Y'a pas d'autres... non? J'ai pas vu si on avait changé, by the way, de... encore de partie. Ou si on est encore dans la partie 2. Oh, les petites araignées, attends. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est un araignée ou une chauve-souris ou whatever, là, mais... Regardez. J'ai pas eu. Même pas si je suis proche. Ah ouais, mais un petit peu trop loin. On n'a pas sorti le canal d'irrigation. Lave-la, la troisième partie de nouvelle croissance. J'aime que le signe ne soit vraiment pas fini. C'est tellement brillant! C'est de l'eau que je lance, c'est pour ça que c'est de l'eau. Ok, c'est tellement brillant, pour vrai. Wow. Bing. Hein, si je peux l'envoyer jusque là. Ou si... Ah non, à cause des trous, je peux pas l'envoyer. D'accord, je viens de comprendre la mécanique. Je peux pas l'envoyer plus loin que les crevasses qu'il y a. Aussi, c'est intriguant. On a un autre ballon là en haut. Il aurait fallu que je prenne en note combien il y en avait dans chaque chapitre, mais rendu là, gars. Ça sera à moi d'en faire le jeu au complet pour... pour chacune des ballons. Oh, come on. Yeah! C'est vraiment brillant pour vrai. J'aime ça. Ok, fait que là, on a fait descendre parce que j'en ai envoyé vraiment partout. On pourrait l'envoyer jusqu'à l'eau, voir ce que ça donne. Imaginez si ça refait pousser une plante. Absolument rien de mon bord. On va te l'emmener partout cette plante-là, je vous le dis. Wow. Il y a des ballons bleus là. Mais là, il n'a pas poussé sur le pot.
Je peux lâcher. Oups! Quelque chose dans l'eau. On les a déjà vus mettre une ballonne dans l'eau, hein. Donc, il faut se checker. Il y a une craque, il peut pas y aller. That's it. On va te fleurir ça, cette place-là, les amis. Pour vrai, il y a quelque chose, là. J'ai aucune idée comment l'atteindre. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose, c'est ça le pire. On va essayer de lancer. Le coup des fois qu'on la peignerait. Ah, je suis sûr qu'il y a quelque chose en dessous. Il y a quelque chose d'attaché là. Then I'm dead. Oh well. Une ballon bleu. En hauteur. Ballon verte là. Jusque avec les coups. Bonne question de comment faire pour l'atteindre. Ah ouais, drette ça. Elle peut descendre, elle peut descendre. On va aller voir s'il y a quelque chose par en bas. Il peut y avoir quelque chose en dessous, man. Non, il n'y a absolument rien. Mais ça aurait pu arriver. Good! Et qu'après, je peux aller là, par exemple, en descendant, au lieu de continuer vers la droite, tout ce que je suis censé aller. Wow! Wow! Ok, ça c'était nice. Ça, je m'y attendais pas du tout. Ah, un beau pont. Techniquement, je pourrais monter là, monter là. Je peux monter par dessus, voilà. That's it.
Il n'y a pas de ballon par là. Ballon rouge là en haut, mais elle va attendre 2 minutes. Ouais, salut le swan! Il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit à gauche, hein? On n'a pas l'air de pouvoir descendre, anyway. Je dis ça, puis quand même. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que ça fait? Il est sorti à l'autre bout. Ok. Là, le poids. Ah non! Comment on retient, moi? Viens me chercher! Cette vigne! Oh well. Fait que je peux pas descendre de ce tabac là. Je cheat le jeu! Je cheat le jeu présentement! Ok. La rouge est là en haut. Non. C'est quand même vraiment beau là. Ça me fait penser un peu à Santorini, les toits bleus pis tout ça. Je suis sûr qu'ils ont pris de l'inspiration de ça. Ok, je sais pas viser. Oh non. Partie 4! Le palais! Une ballonne là, une ballonne là. Oh wow! Oh great! Il faut que tu les voies. Une ballonne là. Ah, oh, c'est sérieux? C'est bon, on va y aller. Si je fais juste une bouchée, ça marche aussi. Wow. Je suis pas mal sûr qu'on va devoir y aller, là. Ben, bon, attends, j'ai failli l'atteindre de là. Ça, c'est drôle. Pensez-vous que je peux l'atteindre de là? Je pense pas. De toute façon, c'est sûr qu'on va y aller, mais... Ah, ben oui! Nice! Peut-être une ballonne verte de cacher dans les feuilles, non?
Oh damn! Avez-vous la... Elle est pas atteignable d'une aucune façon, man, en montant sur l'arme ni rien de ça. Bon, on sait qu'il y en a une là. Ces créations ne se purent jamais légaler. Grand roi. J'ai même pas vu qu'il y avait une cape. Contrairement à son labyrinthe soigneusement taillé, la vigne refusait de rester là où le roi le voulait. Il ordonna à ses sujets d'arracher toutes les branches qu'il voyait. Mais le peuple était fatigué de ses innombrables décrets. Ils commencèrent à arroser la vigne en secret dès que le roi avait le dos tourné. Ils ont bien fait, bâtard. Ok? Je pense que ça a donné quelque chose de faire ça, je pense pas. Ah damn, j'ai pas regardé le labyrinthe. Non, quoi c'est dans un labyrinthe encore? Good. Je pense pas que ça m'a donné quelque chose à faire ça. Ah, je peux pas monter. Ah non, il s'est reparti. Y a-t-il deux chemins possibles pour s'y rendre, vous pensez? Il y avait juste un chemin. Celui que j'ai trouvé tantôt. Y'en a deux. Je pense pas que ça ait changé grand chose que j'avais fait ça, right? Ok, j'avais pas le choix de monter sur l'arbre pour me rendre là. Hey, t'es gang. Très intriguant. J'ai déclenché le pétard, là, le peu d'artifice ou whatever, hein. Il ouvrira pas la porte. Il a décidé de retourner tout en blanc, le maudit. On a une porte là. On va se faire des murs de vigne, on va le savoir vers où est-ce que ça s'en va. Ok, ça c'est un plafond. On va savoir de quoi ça a l'air, cette place-là. Y a-t-il quelque chose au bord de ça? Oh oui, y a quelque chose. Je sais juste pas quoi, je sais juste pas comment l'atteindre. Donc peut-être y retourner plus tard. Là, on a pas mal une bonne idée de quoi ça va de là ici. Là ici ça monte encore. Là ça descend pas mal. Je suis en décassé à la place, vous allez voir. En plus de ça, ça fait en sorte que je vais pouvoir remonter si jamais il y a de quoi. Hey.
Je suis revenu là. Intéressant. Là, j'ai toujours pas réussi à atteindre la... La rose, là, qui était bien en hauteur, là. La ballon rose. Il y a une mini couronne, là. Ok, j'ai révélé un des tableaux. Les paintings du roi. Une ballonne bleue là. On a l'air de se diriger vers la rose, là. T'as quelque part en hauteur, ici. Ok, ok, je peux pas l'envoyer par là. Je peux continuer à l'envoyer par là. Ah! Je savais qu'il était proche. Ça se peut pas que ce soit elle qui jouait là-bas. Right? Ben, non, ça se peut pas. Non, oh non, elle était sur un toit. Ah, elle est là! Ben, j'ai sincèrement aucune idée comment l'atteindre, celle-là. Parce qu'il y a des craques partout. Mais si je voudrais le faire monter plus haut, je peux pas, il y a des craques. Elle est haute en tabarnane, cette ballonne-là. J'ai peur de me lancer là en bas. God damn it. Je le dis pour que ça arrive. Plouch. Et ça, ça veut dire que je pourrais en faire passer là, right? Non, il y a un autre crack. Ah, allez, ben essayer de déjouer le système. Comment je fais pour remonter, par exemple? Un peu, là. Ouais, on va passer le même. Wouh! Ok. Fallait le voir celle-là. 21 sur 28, guys, quand même, hein? 21 sur 28, partie 5. Non? Wow. Partie 5, la mère! Great! Le roi détestait la mer. Tout cela à cause de son premier château. C'était le seul qu'il avait failli achever, et en un seul jour. Mais la marée avait tout effacé sur son passage. Il fit alors le vœu de construire un royaume qui serait éternel.
Ah ben, c'est par là qu'il faut aller. Ah ben! Automatiquement, moi, quand je vois que c'est par là qu'il faut aller, je me suis dit, j'ai manqué quelque chose à quelque part. Donc, on a encore notre ballon rose qui est là, qui est comme... Impossible à atteindre. J'ai vraiment aucune espèce d'idée comment on va atteindre cette ballonne-là. Peut-être qu'on l'a déjà manqué la manière qu'il fallait l'atteindre. Si c'était pas tout de suite, c'est un magasin de l'avoir mis là. C'est quoi ça? Oui, c'est le roi. Ça va. Oh! Pour l'avoir celle-là, man! Faut que je le lance en hauteur pour pouvoir le. Ou je me fais juste me déplacer de même. C'est pas plus compliqué que ça. Des fois, je vous l'ai dit, des fois je me complique trop la vie. Des situations, il y a un méchant gros requin en bas. Pour vrai, là, si on arrive à la fin et qu'il nous en manque juste une, là, c'est assurément la rose qui nous manque. En tout cas. Pas mal sûr qu'anyway, ça va être celle-là qui va nous manquer, mais. Il est rempli de bleu! Oh, c'est jaune. Comme ça, on pouvait faire les monkeys. Ben non. Ok, ça. Ça, c'est brillant. Comme ça, on pouvait faire des monkey bars, hein. Pas mal, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, explain to me what I have to do, because... Ah, ben oui, elle pousse. Non, c'est loin de notre ballon rose, par exemple. Qui était juste là-haut. Les avoir d'eau. Ouais, c'est peut-être avec ça qu'on va pouvoir le faire sauter. Je sais pas si ça fait de quoi, hein, s'il voit. Non, ça a pas l'air des voir. Ah, on y va. On repasse là. Traverse la même. D'un bord ou de l'autre. Je veux juste aller voir de ce bord-là en premier. D'un coup, des fois que... Si je doute que la porte ne s'ouvrira pas. Non, effectivement. Boing, boing. Il n'y a pas de ballon de ce bord-là. Ah, il y a une lettre là.
La vigne recouvrait lentement le roi et sa ville. Quoi qu'il fasse, les efforts du souverain pour l'éliminer furent vains. Il décida alors d'une solution radicale. Pour en venir à bout, il mélangea de la méchanceté et de la morve à du dissolvant et créa une horrible créature. Quoi ? Le roi ne comprit son erreur qu'en voyant le monstre dérouler ses tentacules et faire claquer ses mâchoires. Pour la première fois de sa vie, il fut terrifié. Quoi ? Il est-tu imbécile ? T'es un monstre de même ? C'est pas vrai, pas ça. Je suis tellement proche de... Ok, mais ça marche pas plus. Je peux pas monter après ça, là. Ben oui, toi, je peux monter après ça. Yeah! On l'a failli! Hello, Océane, comment tu vas? Hey, Akira! Merci pour le raid! Bienvenue tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien, merci! Content que ça aille bien de ton côté aussi! Comment tu vas, mon cher Akira? Bienvenue à tout le monde! Allez voir ça, c'est... ce gars-là est incroyable! Bienvenue tout le monde! On joue présentement à The Unfinished Swan, qui est un petit jeu d'aventure qui mélange un peu peinture à tout le reste. Ça va super bien, et toi, comment tu vas? Bonsoir, Mustel, comment tu vas? Ça faisait un bail, effectivement. Et comme je t'avais dit, avec le bébé pis tout, on avait arrêté les streams pour un petit bout. Là, je sais pas partout ce que je fais pendant que je te parle. Pendant que je vous parle, je fais absolument n'importe quoi. On va emmener les vignes à quelque part. On va aller voir si je peux les emmener jusque là. T'inquiète pas. Oh boy. À quoi t'as joué récemment, mon cher Akira? À quoi tu jouais ce soir? Ouais, c'est... Non, c'est pas Power Wash Simulator. Ce n'est pas Power Wash Simulator. comment tu vas, Mustel? Je sais pas si t'as entendu tantôt. J'étais sur Signalis. Intéressant. J'ai jamais joué à celle-là. Nous, on est présentement sur un calendrier de l'Avent, donc avant le temps des fêtes. On va voir si je peux nettoyer ça. Puis, en fait, sur le Game Pass, nice, je vais jeter un coup d'œil, c'est sûr. Puis c'est ça, là, on est on avait un petit calendrier de l'Avent que j'ai que j'offre à toutes les années. 12 jeux en 12 jours, 12 découvertes différentes dans le fond qu'on n'a jamais joué. Puis là, je sais pas où est-ce que je m'en vais avec mes vignes, moi, là. Il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. On arrive grâce à Akira, mais je peux pas rester bien tard. Merci pour l'accueil ici, je laisse le leurre ici, ça peut bien m'aider. Merci beaucoup, Mustel. Merci beaucoup. Un gros merci encore pour le raid, c'est super apprécié. Super, super apprécié. Donc, ça n'a rien fait que j'envoie ça, hein. Beaucoup de leurre, c'est les super tard. Ben oui, je sais. En France, il est pas très tôt présentement. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait d'envoyer les vignes à quelque part. Et non plus s'il y a d'autres ballons à atteindre. Il n'y a pas de problème, Akira. Il n'y a pas de problème, le geste est super apprécié. Super apprécié. Fait que Signalis, c'est-tu bon comme jeu? Ah, faut peut-être que je les emmène jusque-là. On est les bouts de nuit. Ah, c'est vrai de ça, faut que je les emmène jusque-là. Je sais pas si je peux les faire monter plus haut. On peut-tu monter en haut de la tour? Un jeu néo-rétro avec du pixel art. Oh, nice! Fait-tu longtemps que c'est sorti? Il me semble que j'ai vu ça passer à quelque part. Ça, on peut-tu le lâcher? Ouais, good.
Je vais juste sauter là. Wow. Oui, je joue sur PC. Je joue effectivement sur PC. Quelque chose par ici. Il y a tellement de collectibles dans ce jeu-là que je fais juste me perdre à chercher les collectibles depuis tantôt. Sont sous forme de petites ballons. Malgré que j'aurais pu passer probablement. Partie 6. Le clocher. La créature n'eut aucun mal à engloutir les soldats. Merci, Akira. Et trois kiosques à musique. Ce n'est qu'avec l'aide de son hippopotame et du géant que le roi réussit à la chasser vers la mer. Bien que l'eau restât noire durant des années, personne ne revit la créature sur la terre ferme. Ok, c'est quand même drôle, hein, parce que cette créature-là est faite de mort peinture. Quand je vous dis que ça mélange plein d'affaires ensemble. Là. Puis là, ils l'ont chassé dans l'eau. De diluant, puis de peinture de mort. Si je m'en vais avec ça. Faut que je sois capable d'ouvrir ça. Ouais, les enfants le matin, hein. C'est sûr qu'ils vont te le rappeler. pas encore assez proche. Encore un gros merci à Kira, super apprécié. Super apprécié. Je suis censé d'ouvrir quoi avec ça? Des gros bisous de ton côté aussi. Ok, l'autre bord, l'autre bord, l'autre bord, l'autre bord. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Peux-tu y aller tout simplement en montant sur le toit? Sur le plafond? Oh, ça va marcher. Oh yeah! Ok, où est-ce que je suis là? La seule fois que je peux voir, c'est monter. La fenêtre qui est là. Ok, let's go, on y va. Les plantes. Ok, deux secondes, on va regarder de l'autre côté s'il y avait quelque chose d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant nulle part pour l'instant de ce côté-ci. En hauteur peut-être? Non plus. Il y a des canons partout. Est-ce qu'on peut faire tomber les canons? Non, on peut pas faire tomber les canons. Cette boîte-là, elle sert à quelque chose. Je peux pas l'atteindre, je suis trop loin. Ballon bleu! Il va m'en manquer deux dans le chapitre. Bon, peut-être si je les pogne, là. Est-ce qu'on l'essaye? Ok, mais pourquoi j'étais là? Mais c'était quoi l'idée? Ok, fiu, je peux remédier. Totalement, je vois pas de ballon nulle part, j'aurais manqué. En première vue. Là. Non! Oh well. Quoi? Je passe au travers? Hey, monte, monte, monte. Ok. Et tu sais, on a tout fait ce chemin-là pour que le géant nous aide à sortir d'ici, mais au final, on peut aller sur le navire. Fait que ça donne pas grand-chose d'avoir été là pour le géant, right? Puis je vois vraiment pas d'autres ballons, d'autres petites ballons, fait que j'ai l'impression qu'on en a manqué deux.
Vraiment une drôle d'impression là-dessus. Donc, il y en a une en dedans que j'ai pas vu. Non, il y en a pas en dedans. Il y en a ici, talentour. Non plus. Ouais, on en a manqué deux. Pas grave. Mais voilà, chapitre terminé. Et pris la mer. Quelle que soit sa vitesse, le signe restait toujours hors de portée. Ainsi, Monroe se mit à songer que le signe le conduisait peut-être quelque part. Ils s'enfoncèrent dans un nuage et tout s'assombrit. Chapitre 3. On va le voir dans le chapitre 2, si je les ai manqués. Une au début, puis une vers la fin. Quand même pas super. Let's go. Juste deux, c'est pas super. Monroe navigua dans l'obscurité, suivant le champ du cygne, sans jamais rien voir. Ni les étoiles, ni le cygne. Et certainement pas l'arbre où il s'encastra. Lorsque le ciel se dégagea, le cygne était parti. Et Monroe était seul au milieu d'une immense forêt. Comme il n'avait pas d'autre issue, il sauta. Oh, ok, je suis retourné en noir, puis on voit absolument rien à part les étoiles, la lune. Bonne chance de trouver des... Oh mon dieu. Trouver des ballons dans ce monde-là, hein. Oh my god. Oh non, pas cool. Fallait que j'aille du noir sur du noir. Et juste les étoiles pour m'aligner. Ah, puis il y a une belle araignée en haut. Hey, une oiseau là. Ah ben oui, en avant de moi, il y a quelque chose. J'ai aucune idée ce qu'on va trouver dans cette place-là. Ok, ça c'est cool comme mécanique. On va regarder un peu partout. Puis à partir de là, je vois plus rien. C'est sûr que j'en manque, c'est sûr que j'en manque. Oh, loin. Hein? J'avais même pas vu celle-là. Mais pas plus de noir qu'il en faut. Oh, come on. Je peux pas monter là. Hey, trouver des ballons dans cet univers-là, ça sera pas évident. Non, 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 fais pas ça. Come on. Ouais, ce sera pas évident par d'autres. C'est quoi ça? On dirait deux gros yeux là. Il faut que je passe là-dessus. Il n'y a pas d'autres ballons, mais bon, pas de ballons. Ok, je peux pas passer par là. Ça, j'imagine que c'en est une, ça. L'affaire qui flash là. Je vais aller par là. Si les fonds qui flash, j'aurais pas trop de misère d'abord. Je peux pas tirer au travers. Ah, oublie ça, je me range jamais.
J'ai pogné une ballonne? Où ça? Ça, c'est quand même très drôle. Oh! Wait a minute, ça fait mal ces oreillers-là! Attends. Mais je peux leur tirer dessus, right? Il y avait une ballon ici. Il y avait une ballon ici à quelque part que j'ai pogné, que j'ai aucune idée était où. Ça devient de plus en plus inquiétant comme truc. Ah, une ballonne! Je peux pas faire monter. Come on, monte! J'ai de la lumière. Non, descends pas, descends pas, descends pas, descends pas. Elle montera pas. Oui, 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 oui! Let's go! Oh my god, j'ai réussi à la monter. Ok, good. Let's go! Puis, depuis tantôt que je lance pour la faire bouger, mais dans le fond, j'ai juste à y rentrer dedans. Boum. Oh, elle descend vite. Elle descend vite. Une balle de pachinko. Ok, si je m'en vais avec ça, là. Pas sûr partout de m'en avoir à bonne place. On va laisser tomber les ballons finalement pour ce chapitre-là. Parce que j'ai aucune idée où ce que je m'en vais. Puis j'ai aucune idée s'il y en a à des places. Ok, partez, vous autres. Let's go! De l'eau? Oh my god! Comment je vais faire pour l'atteindre celle-là? Je l'atteins pas. T'as un peu. Et vite! Deuxième partie de la rivière, right! Not good. Not good at all. Je peux pas aller dans l'eau. Je suis censé faire quoi? Je veux bien la suivre, je veux bien la suivre. Et où? Là. Hey, il y a une grosse grenouille là. Elle va vite, 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 je peux pas courir! Non! Oh, come on! Une ballon de l'autre côté. Oh, là, il est lancé trop haut. Trop bas. Boing, drip dessus.
j'ai pas du temps. Oh! Toi, je t'avais pas vu! Attends, toi. Il y a du texte là-bas. Donc un bout de l'histoire. Le roi en avait assez de créer des royaumes parfaits qui n'attiraient que des rustres. Il décida de transmettre son héritage autrement, en fondant une famille. Ainsi, il commença par construire une maison. Ouais, construire une maison. Ok, faut que je ramène la balle avec moi, pas le choix. Je vais la lancer par là un petit peu. Tu es capable de la tourner? Ouais, that's it. Ok, elle va s'arrêter là, right? Ah, passe en dessous. Cool! Oh damn, il y avait une histoire à l'autre bord. Une partie de l'histoire à l'autre bord. Je pense pas que je sois du bon côté de la rivière. Ok, oui, ça n'a pas d'importance finalement. Attends par là-bas, attends par là-bas. Le roi, insociable, décida de se peindre une femme plutôt que de s'en chercher une. Oh, come on! Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le roi fut ébahi. Il avait créé son propre double féminin. Il en tomba éperdument amoureux. What? Une ballonne là. C'est bien weird ça. Comme si je pouvais rentrer dans le dans ça. Je sais pas si j'ai le goût d'y aller. Je viens d'éteindre la lumière. Puis là, j'ai aucune espèce d'idée de comment remonter. Comme ça, ok. On va juste retourner en bas 2 secondes. Là! Il y a des rayons comme si c'était des marches. Mais j'ai pas de marches. Je sais pas comment les faire apparaître. Fait qu'il y a une mécanique qu'on n'a pas encore. Il n'y a rien par là pour laisser qu'on peut y aller. On va aller là-dedans, on va aller voir. On va pouvoir y revenir plus tard. À la maison, y a-t-il quelque chose là-bas? Ah, ça c'est brillant. Ok, y a absolument rien nulle part. La même affaire, la même mécanique qui est là, que j'ai aucune idée comment utiliser. Pas le choix de me jeter en bas. Oh, s'il y a quelque chose là, non, il y a absolument rien, fait que j'ai pas le choix de me jeter en bas. Je sais pas à quoi ça va me... Quoi? Oh, wait! Oh, wait! Ok, ça c'est génial. Ça c'est brillant comme mécanique. Ok, mais c'est vraiment brillant comme mécanique. Ça veut bien cacher quelque chose en arrière. Et un autre petit ballon. Ah, il y en a un. No will.
Ok. J'avais même pas vu quand je suis rentré dans la place. C'est Anne, y'a aucun problème. Comment tu trouves ça à date, le jeu? Oh ouais, ça c'est très comprenable. C'est très très comprenable. Très 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 comprenable. De retour, oh! On voit pas que je suis pas sorti de la même place, là. Ok, fait que celui-là, je peux pas m'amuser avec. Oh non. Il y a un F, là. Ah, il est loin. Fou de joie, le roi s'enferma dans son atelier et peignit des cadeaux pour sa reine. Il ne voyait pas son désintérêt, qu'elle ne cherchait même pas à masquer. Le seul présent qu'elle garda fut un petit pinceau d'argent. Comme tu veux, j'aime bien que les mécanismes soient différents de la majorité des jeux. Effectivement, c'est vraiment différent. C'est vraiment dans le même. Dans la même façon de penser que. Voyons. Le fameux jeu là, que j'ai parlé au départ là. Ok, je peux pas tirer sur ces affaires-là, c'est bon à savoir. What happens to Edith Finch? What remains of Edith Finch? La même veine, là. Vraiment dans la même veine. Chaque jour, le roi peignait une nouvelle pièce pour sa maison, puis l'abandonnait, car il la trouvait indigne de sa reine. Alors qu'il dormait, la reine passait ses nuits à peindre des créatures de la forêt, sans jamais en terminer une seule. 5 mois avaient passé quand le roi s'aperçut qu'elle était enceinte. Oh. Oh, nice! Juste explorer un peu ici avant. Un coup des fois qu'il y aurait un ballon. 5 mois avant de te rendre compte qu'elle est enceinte, là, c'est énorme. Fait qu'il faut que je refasse un plancher. J'ai pas le choix, faut que je saute dans la peinture. Oh. Non, 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 non. Là, c'est comme non, 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 j'ai pas manqué le ballon. Ça mène ça de nulle part. Ok, c'est étrange. C'est une pièce vide. Étrange. Il y a un ballon en haut, là. Il y a un ballon là. Ok, je suis sûr, il y aurait d'autres non plans là. Peux-tu sauter one shot? Yeah! Good, il n'y avait rien en dessous, ça c'est parfait. Le ballon qui est juste là. What? What? Ha! Ok, bon. Finally. Il n'y a rien d'autre là. Je sais la montée là. Ah, trop haut pour moi. On va faire un tout petit, on va se faire un escalier. Ok, il m'attendait pas à ça. Good! On devrait être correct avec cette grosseur-là. Ouais! C'est bon, ça. Il y a des traces de canard. On sait que le canard est passé par ici. C'est bon signe. On peut se faire des petites marches. Mais d'une autre façon. Ah,
Je m'amuserai pas à faire 46 marches, là. Ouais. Ok. On va sortir dehors, on va aller voir s'il y a pas un collectible ou quelque chose du genre pas trop loin. Pas été étonnant. Mais ça a l'air que non. Great! Comment c'est quoi ça? Je l'atteins pas. Poing! On va lancer un plus petit. Là, le truc, c'est qu'il faut que j'atteigne ça. Non, oh, bah, beaucoup trop haut. Est-ce que je l'atteins comme ça? Nope. Faut pas en construire un autre. Oh. Ouais, on a réussi à le monter. Ok, good. Un autre chemin à l'intérieur où est-ce qu'on peut monter. Il y a un chemin à l'extérieur. Le chemin à l'intérieur peut pas être monté à part si je passe par l'extérieur. Let's go. Ok, on va essayer. Ah, regardez. Il est là, la fin de ce tableau-là. My god, let's go. C'est pas un peu weird qu'il nous ait montré ça. Oh non. Non, je savais qu'il y en avait une. Good. Oh boy. Non, elle a rebondi. Pas bon signe, ça. J'ai peur de tomber dans le vide. Ok, ça a pas marché. Great. Ce qu'on a fait de dans l'autre monde a paru dans ce monde. Hey, j'aurais pu en cacher une là en haut. J'ai jamais pensé de checker. Et on est reparti sur un chemin qu'on voit pas grand chose. Est-ce que quand on les retape... Ouais, ça nous éclaire un mini peu. Faut le décrocher. Je sais pas s'il y en a une en haut de ça. Et comment je fais pour m'en aller par là? Moi j'ai plus rien pour m'indiquer quoi que c'est ça. C'est pas juste m'amuser à me promener dans le noir. Alors que oui. Alors que je peux faire ça. Non, parce que l'histoire qui est là. La veille de son accouchement, la reine quitta le roi. Elle ne prit qu'un seul tableau inachevé. À son réveil, le roi ne trouva aucun mot expliquant son départ. Hey, c'est bien triste. Wow!
Cinquième partie, le monument du roi. C'est bien beau, par exemple, le site. Pendant 9 ans, le roi arrêta de peindre. Puis il eut une vision. Un monument colossal à son image qui traverserait les siècles. Il n'avait pas encore achevé de peindre la maquette, haute de plus de 30 mètres, lorsque ses forces commencèrent à décliner. Non, c'est triste. On va voir le plus facilement les ballons, mais dans le noir de même, c'est pas facile de voir les ballons. Je le sais, j'en ai manqué plein. Ça n'a pas de maudit sens. C'est juste des jeux d'ombre, fait que... pas évident de savoir quand il y en a une. Quand tu regardes à quelque part, tu peux manquer à l'autre place où est-ce. Je sais même pas où je m'en vais. Le roi ne termina plus le moindre tableau. Il se coucha un soir et fut incapable de terminer son propre rêve. Ah, c'est triste. Il est depuis lors resté coincé à l'intérieur. C'est triste. Ok, donc on a une autre mécanique. Intéressant. On a des pinces dans même pour l'électricité. Que, ouais, hein... Tout à fait. C'est sûr que ça change quelque chose que je fasse ça. On a une ballonne là. Une ballonne là. Une petite autre chose. Aïe, aïe, il était trop proche. Ne pas refaire ça. Alors, on va suivre les pattes de canard parce que c'est ce qu'on fait depuis le début puis c'est ce qui fonctionne. Ok, non, c'est celle qu'on a libérée en dessous. J'étais comme, what? Il y a une ballonne prête en dessous du couvercle. Ça marchera jamais. Effectivement, ça marchera pas. Si je tire là-dessus, ça fait quoi? Ok, ça c'est drôle parce que le courant c'est un citron. C'est actuellement très drôle. Il y a une échelle là. On voit absolument rien. Absolument rien. Oh shit, c'est cool! Remarquez que c'est qui coule! Ah non, pas assez vite! Ah, il marche pas plus haut. On est gentil. La table, la table, la table! Une moustache, plein de moustaches. Non, t'as pas la bonne affaire à faire. C'est vraiment pas facile de voir ce qu'il faut que je m'en aille. Le ballon est plus important! Enlever le courant, c'est que c'est mis à couler. T'as pas fort notre affaire. Le swan, il est là. Pas de ballon là-dessus.
Je suis coincé dans quoi, moi, là? On va rentrer. Et j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, le roi, il est là! Oh alors non. Monroe tentait de trouver quelque chose à dire. La statue tressaillit et l'écoutille se referma. Toute parole était maintenant inutile. Le roi était réveillé. Chapitre 3 terminé. Fait qu'il nous manque le chapitre 4. À la fin, il nous en a manqué 2. Mais on en a pas manqué tant que ça, on en a manqué 3 au début. Ça noir en maudit au début. C'était pas évident. Juste avant la rivière. Donc, il y en a une des 3 que j'ai même aucune idée comment j'ai fait pour pogner. Puis 2 à la fin. C'est pas si tant pire. Je m'attendais à bien pire que ça. Fait que 3 chapitres 1. Ben, 3 à partie 1. 2 à partie 3. Puis le jeu est terminé après, les amis. C'est toi, le garçon de mon rêve. C'était un rêve des plus étranges. J'assistais impuissant à la destruction des œuvres de ma vie. Viens, assieds-toi près du feu. Un hippopotame. Tout a commencé ici, dans la maison de mon enfance. J'ai entendu des coups à la porte. Comme la nuit de mon départ. Ok. Intéressant. Derrière la porte, il n'y avait rien. Seulement un grand vide blanc. Ok. Attends un peu, là. Ça les fouiller un petit peu plus loin. Ouais. Ah! Hey, c'est moi! Ok, ça c'est drôle. C'est vraiment drôle. C'est un miroir. Je peux pas aller par là. Ok, fait qu'il y a pas l'air d'avoir le ballon vite fait. La porte s'est fermée. On est reparti comme au début du jeu, à pas trop savoir qu'est-ce qu'on a comme terrain de jeu. Par là. Sauf que là, on a de la peinture à l'eau qui s'efface. Au début du jeu, au moins, on avait de la peinture à l'eau qui pouvait nous guider un peu plus. En sortant, j'ai été saisi d'horreur. Un mécréant avait mis de la peinture partout. Mon jardin était anéanti. Je sais pas c'est qui le mécréant, hein? Je pense que c'est moi. Ouais, je passais par là, moi, tantôt. Oups. J'ai foutu le bordel. C'est quand même très drôle. C'est là que ma statue a pris la parole. À l'aide! Un petit voyou s'amuse à asperger le jardin de peinture. Je crois qu'il faut diriger vers... Ah, j'en ai un peu dans la bouche. C'est vrai que je l'ai peinturé au complet. C'est pas vrai qu'elle est tombée, par exemple. Ah, ben ça allait être facile à trouver. Une sur trois. Il y avait un chemin, par exemple, par là, qu'on pouvait monter avec pas par là. Par là qu'on peut plus. J'ai vu mon labyrinthe inachevé, abandonné. T'sais, labyrinthe! Pas pour vous autres, là. Tu t'es pogné là-dedans, là. T'es sûr de jamais en sortir. Puis le générique est apparu. Vos rêves ont un générique? Oh oui, et des sous-titres. Et ça, c'est drôle. Je sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à aller là-dessus. Hey, c'est à l'envers! Ok, c'est une belle manière de faire un générique, c'est vrai.
pas à quoi ça m'a servi de faire ça, là, mais... Ah, parce qu'il faut chaud dessus. Puis, j'ai vu ma belle cité. Non! Par cette vigne dégoûtante. Elle ouais. a dû survivre au siècle. C'est un peu de ma faute. Elle aura suffi pour qu'elle disparaisse. Engloutie par les herbes. C'est un peu de ma faute, ça, par exemple. Faut que je monte, faut que je monte. Je vais chercher la ballonne rouge qui est là. Let's go. Et de 2 sur 3. 2 sur 5 là en bas, mais 2 sur 3 dans la partie 1. Est-ce que c'est mêlant que toi tu sois à l'envers? Il y a pas de... il y en avait des ballons dans les arbres, je me suis dit peut-être que, mais non, il y a pas l'air d'en avoir ce fois là. La salle du banquet était remplie, comme autrefois. Elle sentait bon l'eau rôtie. Tu peux pas venir? Dans un temps, like, je peux pas venir. Senti heureux. C'est vraiment brillant d'avoir déguisé le générique comme ça, par exemple. Je vais aller retourner voir en arrière, voir d'un coup des fois qu'il y aurait quelque chose d'autre. Ah, il y a des marches. Ça mène où ça? Nulle part. Y a absolument rien nulle part. Ah well, regarde, on aura. Let's go. Par là, on y a déjà été. Ok, go. Soudain, j'étais à nouveau seul. Non! Mais pourquoi retourner là? Il nous raconte l'histoire qu'on a été. Je sentais ma propre mort approcher. Il manquait une ballonne ou... Bah, j'ai pas vu de partie 2, Mac. Hey! L'eau s'est mis à monter tout seul. Wait, what? Oh non. Bye! Oh my god, la ballonne est là. Je voyais des débris de la maison que j'avais commencé à construire. Au bout de 10 ans. Non! Les œuvres que je voulais impérissables disparaîtront bien avant moi. Oh damn, il est parti avant moi! Tu as commencé un autre? Laisse-moi moins le temps d'arriver dessus. Yeah! Bon, fait que j'ai plus de... à me soucier de ballon avant la partie 3. Fait que ça, c'est bien, on peut quoi. J'ai pas sûr que ça caille bien de même, là, mais. Je vise pas bien. C'était un enterrement
Wait, what? Le mien, apparemment. Il n'y avait personne. Wait, what? À part toi. Hey, Monroe! Hey, il est passé. Monroe? Moi, c'est moi, là, je suis Monroe. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai vu mon monument. Mon dernier espoir pour que l'on se souvienne de moi. J'ai avancé dans sa direction. À chaque pas, je grandissais un peu plus. Je grandissais encore et encore. Jusqu'à temps qu'il devienne le monument. J'ai appliqué une simple pression et mon monument s'est écroulé. J'avais sous les yeux tout le travail de ma vie. Mes œuvres s'effondreraient ou disparaîtraient sous la peinture des générations futures. Tout comme j'avais peint par-dessus l'univers d'un autre. Ok. Bye la destruction, hein? Rendu là, wow, c'est énorme. Mais sérieux, le labyrinthe est énorme. Après le chaos, je savais que toutes mes créations disparaîtraient. Ainsi, le regard perdu dans les ténèbres, je me suis souvenu de toutes mes œuvres commencées et restées inachevées. J'ai eu une révélation. Leur disparition ne m'attristait pas. J'avais pris du plaisir à les créer. Je l'aurais fait quoi qu'il arrive. Étrangement, je sentais qu'à mon réveil, mon travail serait réellement anéanti. C'est là que tu es arrivé. J'ignore ce qui t'amène, mais je suis content de te voir. J'ai quelque chose pour toi. Ce pinceau ne m'appartient plus. J'ai fini mon travail. Il est à toi désormais. Oh, wow. J'espère qu'il te rendra heureux. Et qu'on dira un jour de toi que tu valais mieux que ton père. Hey, le signe! Cette porte te conduira où tu le désires. Mais pars vite, mon enfant. Tout ce monde est éphémère. Cette nuit-là, alors qu'il était exténué, Monroe fit quelque chose dont sa mère aurait été incroyablement fière. Il finit le dessin. Il se mit à peindre. Wait, what? Ok, wow! Ça les a pas expliqué. Wow, on est manqué. Ok, puis ça fait quoi les ballons? Ça dit que ça débloquait des jouets. Ce radar s'élimine lorsque vous approchez d'un ballon. Ok. Efface cette tache de peinture et tout ce que tu as créé. Intéressant. Premier croquis, modèle créé pour définir l'esthétique du jeu. Pour le chapitre, le menu chapitre. Projette un flou continu de balles de peinture. Activation en appuyant sur R. Ramasser des solides. Tous les ballons trouvés. Héros et chapitre. Débloque tous les niveaux du jeu. Accessible pas. Bon, il sait déjà. Un lanceur projette des balles. Wow. Les balles sont figées en plein vol, permet de lancer une dizaine de balles d'un coup pour semer la pagaille. Ouais, mais ça sert à quoi? Ça donne quoi des acheter si on les a déjà toutes? Ça donne peut-être dans les trucs bonus. Je pense que le tuyau d'arrosage est malade. Allez voir, là, c'est intriguant parce que... Chapitre. Peut-être dans les bonus, comme je disais. Illustration. Hein, c'est ça, ça donnait ça, dans le fond. Ça n'a pas donné grand-chose d'autre. On avait déjà tout. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. On en a manqué pas mal au début, parce que... À part le... À partir du château, là.
Ben, en fait, à la fin de celui-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des ballons à ramasser. Comme ça, pourtant, on en a manqué pas mal. J'espère que vous avez aimé sur ce jeu-là. C'était juste incroyable, pour vrai. J'ai rien à dire, pour vrai, de négatif contre ce jeu-là. C'est juste incroyable. Encore une fois, quand on a joué à The What Remains of Edith Finch, moi, personnellement, c'était pas ma première fois quand on l'a joué. C'était ma deuxième fois. Mais là, celui-là, qui est par les mêmes créateurs pis tout, ça démontre juste l'ingéniosité pis le brillant que ces personnes-là, ces développeurs-là ont. C'est juste le début en blanc qu'il faut que t'illumines tout avec la peinture. C'est malade. Pis ils font une boucle avec ça à la fin. Waouh! Pas vrai, waouh! C'est vraiment très bien fait. C'est super bien monté. J'ai rien d'autre à dire que c'est des petits bijoux pour vrai, les deux jeux jusqu'à date que j'ai joué de ces développeurs-là. Il va falloir que je regarde s'il y a autre chose qu'ils ont fait. Mais jusqu'à date, c'est vraiment très bien. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de venir voir ça en live sur Twitch et de participer avec la communauté, le lien va être juste en haut de moi. Sinon, vous pouvez le retrouver dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée, une excellente nuit, tout dépend de ce qui s'applique à vous. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.